remercions Dieu pour le public et merci pour votre présence. Nos nouveaux convertis qui sont là, j'apprécie le fait que vous soyez là. Et tous les anciens, je ne voyais plus vos visages directement il y a longtemps. Soyez les bienvenus. Dis, soyez les bienvenus, pasteur. Le Seigneur bénit chacun de nous. Père, nous te remercions pour le tube public. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour nos nouveaux venus et tous ceux qui écoutent partout. Nous demandons, Seigneur, que ce soit, un moment de touche divine dans chaque vie au nom de Jésus. Notre esprit, nos âmes, nos corps, nos pensées, nos familles recevront une seconde touche définie ce soir au nom de Jésus. Comme tu l'as toujours fait, parce que tu n'as pas changé, fais-le encore. Transforme la vie de chacun de nous. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la bénédiction du Seigneur. Nous sommes en Marc chapitre 8 ce soir. Je vous lis du verset 22. Ce soir, nous verrons du verset 22 jusqu'au verset 33. Marc, chapitre 8, du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il le conduisit, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Ce que je viens de vous lire maintenant est unique. Et c'est seulement Marc qui a enregistré ce miracle. Vous avez l'ouverture des yeux des aveugles en Matthieu, en Marc, en Luc et en Jean. Et vous l'avez dans tous ces évangiles. Mais ce miracle, cet incident particulier que le Seigneur a dû lui toucher la deuxième fois a été enregistré seulement par Marc. Et c'est symbolique. C'est unique. Et c'est ce qui arrive non seulement à l'homme qui avait les yeux rétablis pleinement après la deuxième touche. Dans notre esprit, c'est ce que Dieu fait. Dans nos âmes, c'est ce que Dieu fait. Il nous touche et nous sommes sauvés. Et ce n'est pas tout le problème concernant le péché qui a été résolu à cause de cette première touche. Et il nous demande, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Il y a une évidence que le Seigneur m'a touché, que le Seigneur m'a transformé. Mais les choses peuvent être meilleures. C'est pourquoi nous retournons à lui la deuxième fois pour une seconde touche, et il nous sanctifie. Vous verrez que même dans la réception de la connaissance de la part du Seigneur, nous allons à lui, il nous révèle Christ. Et il nous demande, qui est Jésus? Que penses-tu de Jésus? Et nous lui disons, voici ce que nous connaissons. Mais nous retournons encore à lui une seconde fois, pour une seconde touche, la seconde illumination. Et il ouvre nos yeux une fois encore. Et nous voyons clairement. Et c'est arrivé aux disciples. Jésus leur a demandé, que dites-vous que je suis? Ils ont dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Et il dit, ce n'est ni le sang, ni la chair, ni les êtres humains qui vous ont révélé cela. Mais mon Père qui est au ciel. Ensuite, comme ils ont continué spirituellement, il les a touchés encore. Et ils ont dit, maintenant, nous savons
que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Je pensais qu'il le savait avant. C'était la première touche. Ensuite, après les avoir touchés, enseigné la parole de Dieu, il dit, « Vous connaissez les choses maintenant, meilleures que les pharisiens, mieux que tous ceux-là qui sont autour de vous. Mais vous ne connaissez pas tout. » Il dit, « Je vais vous envoyer le Consolateur. Et ce Consolateur va me remplacer et il vous enseignera toutes choses. » Il le savait avant. Maintenant, une nouvelle touche viendra. Et comme vous considérez votre vie en tant que chrétien, vous allez découvrir qui m'a touché avant. Et si vous pensez que tout est fini maintenant, parce qu'il m'a touché la première fois, pour la première fois, vous faites erreur. Vous devez retourner à lui. Et ensuite, il vous touche une seconde fois. Il ouvre les yeux des aveugles. Et il ouvre l'esprit de ses disciples. Et quand il était sur la terre, avant qu'il n'aille à la croix, il leur enseignait et il les illuminait et ils avaient l'illumination. Et ils savaient que voici le Christ. Il est mort, il fut enseveli, il ressuscita encore. Après être ressuscité, les disciples étaient enfermés dans la chambre. Il est venu vers eux pour dire que la paix soit avec vous. Et on nous dit, et il ouvrit leurs yeux, leur esprit, pour qu'ils comprennent les Écritures. Avant qu'ils ne meurent, il leur donnait la première touche. Après sa résurrection, il leur donna la seconde touche. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Il vous a touché avant, il va vous toucher encore. Il vous a guéri avant, il va encore vous guérir encore. Il vous a sauvé avant, il va vous sanctifier. Il a fait la première touche. Et la première transformation et la seconde viendra aujourd'hui. Vous ne repartirez pas à la maison la même personne au nom de Jésus. Ce soir, je considère l'étude sur la nécessité de la seconde touche. La nécessité de la seconde touche. Ne pense pas qu'une seule touche est suffisante. Il nous a touché avant, il va nous toucher encore. La nécessité de la seconde touche. Il y a trois choses à considérer premièrement. Le rétablissement total après la seconde touche. Le rétablissement total après la seconde touche. Deuxième point. Une révélation convaincante de la vérité spirituelle. Qu'est-ce que les gens du monde disent de moi? Certains disent que tu es l'un des prophètes qui a vécu avant. Certains disent que ceci, d'autres disent que tu es cela. Et il les a demandé, qui pensez-vous, qui dites-vous que je suis? Pierre parlant pour les autres, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était la révélation du ciel, une révélation convaincante de la vérité spirituelle. Avant que l'histoire ne prenne fin, il a commencé à leur dire ce qui va lui arriver. Qu'il mourra et il sera enseveli. Ensuite, il ressuscitera encore le troisième jour. Et Pierre l'a pris, repris, pour dire, ça ne m'a jamais arrivé. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Parce que tu ne comprends pas. Il connaissait. Alors, il a confessé. Et il a donné une révélation convaincante de la vérité spirituelle. Maintenant, quelque chose était révélé et il n'avait pas compris. Et il s'est opposé. Il a contredit le Seigneur. Et il avait besoin d'une autre touche spirituellement parlant. Afin que maintenant, sa pensée soit comme celle de Christ. Que sa volonté soit comme la volonté de Christ. Que sa compréhension soit comme la compréhension du Seigneur. Il avait besoin d'une autre touche. Troisième point alors. Un rappel clair du besoin de la seconde transformation. Ce qui est arrivé à Pierre est un rappel clair qu'il avait besoin de la seconde transformation. Et c'est un rappel clair pour toi et pour moi du besoin de la seconde transformation. Troisième point alors, un rappel clair du besoin de la seconde transformation. Revenons au premier point alors. Le rétablissement total, complet après la seconde touche. Revenons en Marc au chapitre 8 et je lis à partir du verset 22.
Marc, chapitre 8, verset 22. C'est une histoire directe. Il dit, ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. On supplia Christ de le toucher. Si tu as besoin d'un miracle, tu dois venir à Christ. Si tes voisins ont besoin d'un miracle, tu dois les amener tes voisins à Christ. Et si quelqu'un très proche de toi, tu ne peux pas l'aider, il est aveugle. Même s'il est né aveugle, avec Dieu, tout est possible. Et quels que soient les défis ce soir, quelle que soit la situation ce soir, Dieu est capable, Christ est capable. Et il va régler tout problème. Mais vous voyez, nous devons venir au Seigneur. Cela veut dire, comme nous écoutons l'enseignement de la parole de Dieu, vous ne devez pas repartir à la maison avant le dernier Amen. Vous devez attendre. Si vous avez écouté la parole de Dieu et que la parole de Dieu vous révèle quelque chose qui doit vous arriver, quand nous disons, maintenant levons-nous pour la prière, ce n'est pas le moment de sortir, ce n'est pas le moment de visiter qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous devez attendre jusqu'au dernier Amen. Et lorsque ce dernier Amen arrive, quelque chose doit arriver dans votre vie. Alors, on amena cet homme à Christ et il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Pourquoi? Il prit l'aveugle et il le sortit du milieu des gens qui sont aveugles spirituellement, du milieu de ceux-là qui ont l'aveuglement d'incrédulité, l'aveuglement du doute, l'aveuglement de la contradiction et l'aveuglement de la confusion dans la pensée de l'homme. Il le sortit du milieu de ces gens afin qu'il soit avec l'aveugle tout seul. Quand tu viens en contact avec Christ et tu bloques le monde, tu bloques l'incrédulité des autres. Voici Christ. Et voici l'homme aveugle. Voici Christ. Et te voici. Voici Christ. Et voici celui qui est dans le besoin. Lorsqu'il y a personne entre toi et Christ, oh, quelque chose va arriver. Une explosion de la puissance de Dieu. Une communication de la puissance de Dieu. Une transmission de la puissance de Dieu viendra dans ta vie. Il le prit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Pensez à cela. Quand il lui mit de la salive sur les yeux, les Écritures révèlent ce que Christ a fait. Vous voyez, plusieurs, ils ne comprennent pas comment est-ce que quelque chose comme ça peut se faire. Vous savez, la salive est très utile. Et Christ le savait. Et Christ savait que la salive, même de l'homme ordinaire, quand quelque chose se passe, quand par erreur, tu mets ton doigt dans le feu, tu te brûles. Et ça brûle. Sans même penser, tu mets le doigt dans la bouche. Pourquoi tu le fais? Parce que la salive va adoucir la douleur. Ou parfois, tu essaies de couper quelque chose et tu coupes ton doigt soudainement. Et la chose naturelle que tu fais, sans même penser à cela, sans même que personne te dise, tu mets ça rapidement dans la bouche. Parce que l'effet adoucissant de la salive et l'effet adoucisseur de la salive. Et tout ce qui concerne Jésus, il a la puissance. Ses vêtements ont de puissance. Son regard a de puissance. Sa parole a de puissance. Sa salive a de puissance. Tout ce qui concerne Jésus-Christ a la puissance divine. Et quel que soit ce que Jésus-Christ décide d'utiliser, son vêtement, sa parole, sa touche, sa salive, ou bien quoi que ce soit, un miracle doit arriver dans ta vie. Alors, il mit sa salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il l'a fait pour la première fois. Il l'a touché pour la première fois et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Il dit, je vois ce que je ne voyais pas avant. Parce que maintenant, je vois des gens qui bougent. Mais je ne les distingue pas. Je les vois comme des arbres et qui marchent. Je sais que les arbres ne marchent pas, hein, de ce que j'ai appris. Mais puisqu'ils bougent, même s'ils ressemblent aux arbres, ils doivent être des hommes.
Alors, nous apprenons une leçon ici. Après que Dieu ait fait quelque chose dans notre vie, un grand miracle dans ta vie, tu ne dois pas dire, oh, c'est meilleur qu'avant, hein. Alors, qu'est-ce que je veux encore d'autre? Non, c'est suffisant pour moi. Et tu vas courir et t'en aller. Attends, il y a encore beaucoup qui vient pour toi. Et parfois, les gens viennent au Seigneur pour la première fois. Le Seigneur les touche. Ils sont sauvés. Ils sont nés de nouveau. Il y a la paix dans leur cœur. Il y a la joie dans leur âme. Alors, ils disent, oh, gloire à Dieu. Je retourne d'où je suis venu parce que maintenant, j'ai reçu quelque chose. Tu l'as reçu. Maintenant, pas tout eu. Reviens encore. Quelque chose de nouveau t'arrivera. Et quelque chose de plus grand arrivera. Alors, verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Une répétition de miracles. Un renouvellement de miracles. Une seconde touche viendra sur ta vie. Et ça va arriver ce soir. Et après cela, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et vit tout distinctement. Dites-moi, il vit comment? Il vit tout comment? Dites-moi à haute voix. La seconde touche a apporté une vision plus claire, une plus grande vision. Le Seigneur accomplit encore des miracles aujourd'hui. On nous dit en Psaume 146. Psaume 146. Lisons ici le verset 8. Psaume 146, nous lisons le verset 8. Voyez ce que Dieu peut faire. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Il peut le faire une fois. Et tu vois des hommes comme des arbres qui maturent à temps. Pour qu'ils te touchent une seconde fois. Et tu verras tout clairement, tout distinctement au nom de Jésus. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. En Psaume 138, Psaume 138, verset 8. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira en ma faveur. Si tu lui permets de te toucher la seconde fois, si tu ne fuis pas après la première touche, il va encore faire quelque chose et il va achever ton miracle au nom de Jésus. S'il a pourvu pour toi et ce n'est pas suffisant, il va pourvoir encore. Si tu as relevé et tu n'es pas suffisamment redressé, il va te lever davantage. Et si tu as reçu quelque chose pour la première fois, et cette première touche, ce premier miracle, cette première transformation n'est pas suffisante, et tu vois faiblement la seconde touche, une nouvelle transformation viendra pour toi, et il va parfaire tout ce qui te concerne. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Ne va pas t'abandonner au nom de Jésus. Venons en Philippiens au chapitre 1er. Philippiens chapitre 1. Pourquoi est-ce que Jésus l'a touché la deuxième fois? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit d'accord? Oh, tu vois un peu, tu peux repartir chez toi. Et les choses vont s'améliorer. Parce qu'il y a des gens, vous savez, une fois que tu pries pour la première fois, sur quoi que ce soit, si tu pries pour la seconde fois, il dit que c'est l'incrédulité. Il dit, une fois que tu pries, tu ne dois plus répéter la prière. Tu ne dois pas prier encore. Tu dois croire que Dieu l'a fait, même si tu vois faiblement. Et même si tu vois des hommes comme des hommes, des arbres qui marchent, si tu pries la deuxième fois, ah, c'est l'incrédulité. Jésus n'a pas enseigné cela. Il a vu que l'homme n'avait pas encore tout eu. À la première touche, alors il lui dit, je vais te toucher encore. Et il te dit ce soir, je vais te toucher encore. Il va te toucher encore au nom de Jésus. Voyons Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a... Je suis confiant ce soir pour ta seconde touche. Je suis confiant ce soir pour ton miracle répété. Je suis persuadé ce soir qu'il va achever ce qui te concerne au nom de Jésus. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et de meilleures choses t'attendent, de plus grandes choses t'attendent. Un avenir radieux t'attend et il va parfaire cela dans ta vie au nom de Jésus. Mais vous savez, je vous ai dit que cette histoire est symbolique. Cela veut dire que ce que Jésus a fait dans le physique, il est sur le point de le faire dans le spirituel. Venons maintenant à Ésaïe au chapitre 42 et voyons ce que le Seigneur lui-même dit au sujet de la première touche pour l'aveugle, la seconde touche pour l'aveugle, jusqu'à ce que ta vue, jusqu'à ce que ta vision, jusqu'à ce que ta compréhension, jusqu'à ce que ton illumination soit parfaite. Voyons Ésaïe chapitre 42 et nous lisons le verset 18. Ésaïe 42, verset 18. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Tu te demandes, comme Dieu parlait au peuple, il dit, vous êtes sourds, écoutez. Il dit, vous êtes aveugles, regardez. Qu'est-ce qu'il voulait dire? À quoi se référait-il? Et à qui parlait-il réellement? Quand il dit, il voulait que les sourds ouvrent les oreilles et entendent, et voulait que les aveugles regardent et voient. Verset 19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Sourd, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Vous voyez, l'histoire de l'aveugle que Jésus a enseigné, a guéri la première fois et ensuite la deuxième touche et il y a une vision plus claire, est symbolique pour l'enfant de Dieu, est symbolique pour le serviteur de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même a dit, qui est aveugle sinon mon serviteur, qui est sourd que mon messager, qui est aveugle comme le serviteur que j'envoie, le serviteur de l'Éternel. Verset 20, tu as vu beaucoup de choses mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Le moment vient. Tout enfant de Dieu recevra cette seconde touche. Tout serviteur de Dieu recevra cette seconde touche. Il va ouvrir nos yeux une fois encore. Il va nous donner une nouvelle vision encore. Et quel que soit ce que nous avons eu avant, nous allons obtenir plus. Et les choses seront plus claires dans ta vue, dans ton esprit, dans ta compréhension, dans ta concentration sur le Seigneur. Et tout sera plus clair au nom de Jésus. Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24. Lisons le verset 31. Luc 24, verset 31. Voici deux croyants qui étaient sur la voie d'Emmaüs. Et Jésus les a rejoints. Et ils l'ont vu, sans aucun doute. Ils l'ont vu. Il a fait comme s'il voulait les dépasser. Il dit, ah, pourquoi tu ne restes pas? Pourquoi n'attends-tu pas? Pour que nous puissions passer la nuit avec nous. Ils étaient ressuscités des morts. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Même s'ils l'ont vu. Ils n'ont pas vu Jésus clairement. Verset 31. Luc 24, 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Et ils disparurent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures. Il avait ouvert les Écritures. Ils l'ont vu comme un enseignant. Il avait ouvert les Écritures à ces gens-là. Ils l'ont vu comme quelqu'un. Qui s'asseye avec eux. Il a rompu le pain avec eux. Il leur a donné cela. La seconde touche est venue. C'est pourquoi je vous dis ce soir, une seconde touche doit venir pour vous.
Vous savez, parfois, en tant que croyant enfant de Dieu, nous lisons notre Bible, la dévotion matinale, et pendant que nous lisons cette Bible-là, une lumière vient et luit sur la parole de Dieu. Et nous disons, oh Seigneur, merci, je vois ce que je n'ai jamais vu avant. Je comprends ce que je n'ai jamais compris avant. Je peux voir l'image de Jésus-Christ ici. Voici mon Sauveur, et voici mon Seigneur. Et tu pries, et tu pries, et tu loues le Seigneur, et tu l'adores. Un autre jour, tu viens à ce même passage, et le Saint-Esprit vient sur l'Écriture et illumine l'Écriture et élargit l'Écriture. Tu dis, what? Quoi? Je n'ai jamais vu dans ce passage avant. Et j'ai étudié ce passage. Je connaissais ce passage. Ça, c'est ta seconde touche. Vous savez, quand les gens pensent qu'ils connaissent la parole de Dieu et ils pensent qu'ils ont eu la première touche, et que tout est terminé. Non, tout n'est pas terminé. Retourne à ce même passage des Écritures. Il va te parler encore, encore. Il va encore te toucher encore. Il va toucher tes yeux encore. Et la lumière viendra et il y aura une meilleure compréhension de la parole de Dieu au nom de Jésus. Il t'a touché avant et il est sur le point de te donner la seconde touche. Ça vient. J'ai dit ça vient. Je veux que vous voyez, verset 45. Ses disciples qui le connaissaient, il a demandé, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Voyez ceci maintenant. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Les disciples, enfants de Dieu, qui suivaient le Seigneur, ils avaient ouvert leurs yeux avant, ils avaient ouvert les Écritures avant. Et ils savaient que tout ce qui est écrit concernait Christ et que cela doit être accompli. Et il ouvrit les Écritures une seconde fois. Pour toi est venu. Pour toi, ça va venir. Vous voyez, certains chrétiens, ils sont rouillés. Ils deviennent des chrétiens coussi-coussa, superficiels. Parce qu'ils... La seule touche qu'il leur a donnée il y a des années, c'est de ça qu'ils témoignent. La seule touche qu'il leur a donnée il y a des années, oh gloire à Dieu, il m'a touché, gloire à Dieu, il m'a pardonné, gloire à Dieu, il m'a réveillé, gloire à Dieu, je suis né de nouveau. Et ils ne comprennent pas qu'il y a encore une seconde touche. Dans ta vie ce soir, et tu vas avancer. Dans ta vie ce soir, tu vas grandir. Et il y aura une seconde touche, une seconde transformation, une seconde illumination, un second miracle, une seconde transformation dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Éphésiens au chapitre 1er, lisons le verset 18. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Certaines personnes ne savent pas que notre cœur a des yeux. Notre esprit a des yeux. Il pense que les seuls yeux que nous avons, ce sont les yeux physiques avec lesquels nous voyons. Et quand le Seigneur dit, je vais toucher l'aveugle, je vais ouvrir les yeux des aveugles, il dit d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un aveugle à côté ici? Ils ne savent pas que eux aussi, que les yeux de leur cœur sont aveugles. Et ils ne voient pas clairement. Maintenant, vous savez, Dieu va toucher vos yeux. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oui, la grande puissance de Dieu va agir dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit, dans ton corps. Et cette grande puissance de Dieu agira ce soir au nom de Jésus. Vous comprenez maintenant pourquoi nous faisons cette prière. En psaume 119. Les gens ne comprennent pas parfois. Nous faisons la prière dans les chants ou directement au Seigneur. Nous ouvrons la Bible. Avant d'étudier, avant de lire, nous prononçons ceci au Seigneur.
Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de quoi? Dites-le à haute voix. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. Regardez ici, s'il vous plaît. De quoi vous avez frère A, frère B, frère C. Sœur A, sœur B, sœur C. Ils lisent les mêmes passages bibliques. Ils lisent le même passage. Frère A n'a pas vu ce que frère B voit. Frère B ne voit pas ce que frère C a vu. Et la sœur A ne peut pas imaginer ce que B dit, qu'elle a vu dans ce passage. Et la sœur C vient avec une grande vision de la gloire, parce qu'elle a prié, ouvre mes yeux pour que, pas nous, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Chaque fois que tu fais cette prière, Dieu va te toucher, Dieu va te transformer. Et Dieu te donnera une nouvelle compréhension plus élevée de la parole de Dieu. Galates chapitre 4. En Galates chapitre 4, verset 19. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, je sache que Christ soit formé en vous. Vous voyez les croyants de Galates, ils avaient reçu le Seigneur comme sauveur personnel. Et selon le passage que nous étudions aujourd'hui, ils ont reçu la première touche qui les a sauvés, qui les a amenés à connaître Christ en tant que sauveur. Christ est Seigneur. Mais depuis cette première expérience du salut, de la transformation, de cette première touche, ils ne sont plus repartis au Seigneur. Et certains judaïciens sont venus vers eux. Et leur vision de Christ comme le seul sauveur, leur vision en tant que le seul fils de Dieu, la vision de Christ en tant que celui qui a offert le sacrifice parfait, la vision de Christ comme le sauveur suffisant était en train de s'affaiblir. Paul a vu, les a vus. Il savait qu'ils étaient sauvés avant. Il savait que leurs yeux étaient ouverts avant. Il savait qu'ils avaient reçu la première touche du salut avant. Maintenant, il les a vus. Maintenant, il dit, oh, mes enfants, ils sont encore enfants. Ils ne sont pas totalement, ils n'ont pas encore totalement regardé. Ils ne sont pas éloignés. Mais leurs yeux étaient affaiblis. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'était la seconde touche. Il voulait qu'ils aient, et tu auras pour toi. J'aurai pour moi. J'ai dit, j'aurai pour moi. Le Seigneur va toucher chacun de nous au nom de Jésus. Deuxième Pierre, au chapitre 1, verset 9. 2 Pierre, chapitre 1. Lisons le verset 9. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez, il y a des gens, ils ont reçu la première touche. Spécial de la part de Dieu chaque jour. Ils sont trop occupés. Ils se lèvent très tôt le matin et courent pour aller prendre le bus. Et ils vont au service. Et pendant qu'ils reviennent à la maison, l'embouteillage est beaucoup. Et quand ils atteignent la maison, ils préparent. Ils sont tellement fatigués, ils s'endorment. Et ça se répète chaque jour comme ça. Jusqu'à ce que ils oublient qu'ils avaient été purifiés de leurs anciens péchés. Jusqu'à ce que l'effet de la première touche commence à s'émousser. Et il y a donc un affaiblissement. Verset 9 encore. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Ils sont frères. Ils sont enfants de Dieu. Ils ont reçu la première touche. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection.
car en faisant cela, vous ne brancherez point. Tu ne tomberas pas. Mais vous devez comprendre, retourne à Christ et reçois la seconde touche. Retourne à Christ et une autre touche. Retourne à Christ et une autre illumination, une autre information. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Quand vous serez au ciel, les portes seront pleinement ouvertes pour vous. Vous irez avec une joie abondante, une force abondante, une connaissance abondante, une confiance abondante. Ce n'est pas que vous allez serpenter pour entrer. Ah, j'espère que je vais pouvoir serpenter, trouver quand même une fissure pour entrer. Non, les portes vous seront pleinement ouvertes. Vous voyez, ça c'est l'essence d'avoir une seconde touche. Vous revenez au Seigneur et vous recevez une différente touche, une autre touche. Il dit, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il y a pourquoi il dit, verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien, je sais que vous savez que vous avez besoin de la seconde touche. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité. Je prie que la seconde touche ne te rate pas. Ça ne va pas me rater. Ça ne va pas me rater. Je vois l'amour de Dieu devenant plus grand, plus élevé dans ta vie au nom de Jésus. Marc chapitre 8, verset 26. Marc 8, verset 26. Verset 25, il a dit, maintenant, je vois tout distinctement. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village et ne le dit à personne. Ça peut vous surprendre, mais je veux que vous compreniez. Quelqu'un qui était aveugle toute sa vie, une personne qui n'a pas vu, qui ne voyait rien de bon, une personne qui ne connaît pas les criminels, le couvent des criminels de la ville, il ne connaissait pas les lieux sales de la ville, du village, et tous ces gens-là, ils savaient qu'il était aveugle. Et Jésus dit, ne te mélange pas à eux maintenant. Tu viens de voir et tu ne connais nulle part. Ne permets aux méchants et aux personnes sales de voir que tu as reçu ta vue maintenant. On dit, ah, oh merveilleux, tu as eu ta vue, viens. Tu as raté beaucoup de choses. On appelle ça salle de danse, ça là, on appelle couvent d'idolâtrie, ça là, on appelle ceci. Voici là, on fume ici, c'est là, on commet les crimes, voici. Il ne voulait pas qu'il ait de communion avec toutes ces mauvaises personnes. Pas maintenant, retourne à la maison. Si tu veux voir quelque chose d'abord, vois quelque chose de bon et vois ma parole. Médite ce que tu as vu. Tu as vu mon visage, tu as vu mon style, tu as vu tout ce que j'ai fait. Continue à méditer cela. Et quand tu seras fort, tu peux revenir en ville. Et les gens ne vont pas te conduire par-ci, par-là. La même chose avec quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui vient de recevoir sa vue. Quelqu'un qui vient de savoir maintenant que Christ est mon sauveur et que Christ est mon Seigneur. Si cette personne retourne dans les églises dénominationnelles, dans les églises traditionnelles, et au lieu où on leur enseigne des choses mauvaises, et ils disent qu'ils font le suivi, ils vont leur enseigner la tradition, on va leur enseigner la religion, on va leur enseigner l'hypocrisie, et ils vont lui enseigner tout ce qu'ils enseignent. Et Jésus-Christ a dit, ne retourne pas là-bas, ne retourne pas encore là-bas. Maintenant tes yeux sont ouverts, ne retourne pas vers les lieux où tu seras confus. Lis la parole, retourne à la parole, et sois en communion avec moi. Afin, lorsque tes yeux sont tellement ouverts et qu'aucun pharisien ne peut te confondre, aucun sadducéen ne peut te confondre, alors tu peux aller partout où tu veux. En réalité, en ce moment, tu vas devenir prédicateur toi-même. Et s'ils essaient de te confondre, tu vas dire non, ça, ce n'est pas possible. Je connais qu'il y aura plus de confusion dans ta vie ou non. Plus de confusion dans ma vie.
J'ai dit plus de confusion dans ma vie. Le Seigneur va te préserver dans cette nouvelle vie, dans cette lumière radieuse, dans cette illumination qu'il a donnée à ton âme au nom de Jésus. Deuxième point, une révélation convaincante de la vérité spirituelle. Une révélation convaincante de la vérité spirituelle. Lisons par Marc chapitre 8, je lis à partir du verset 27. Marc chapitre 8, verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es, quelqu'un aide-moi à crier à haute voix, tu es le Christ. Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Pourquoi? Je pensais qu'on devait en parler à tout le monde aujourd'hui. Nous pouvons en parler à tout le monde. En son temps, les pharisiens, ils avaient une conférence. Ils avaient un complot. Que si quelqu'un doit confesser que Jésus-Christ est le Christ, ils vont régler son compte. Même Lazare qui est ressuscité des morts. Et les gens sont allés croire au Seigneur Jésus-Christ à cause de Lazare qui est ressuscité des morts. Qu'est-ce qu'il planifiait faire? Il planifiait le tuer. Quiconque va confesser et convaincre quelqu'un d'autre que c'est le Christ, qu'ils vont se débarrasser d'eux. Jésus avait besoin de ses disciples vivants afin qu'après son départ, que c'est eux qui allait prendre le relais et porter l'évangile à toutes les créatures. Alors aidez, ne mettez pas votre vie en danger. Je sais ce que ces conspirateurs font. Je sais ce qu'ils feront. Vous savez maintenant, vous avez confessé que je suis le Christ, d'accord? Gardez ça vous-même. Matthieu 16, 13. C'est la même histoire. Matthieu nous donne plus de détails. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Dites-moi, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Rappelez-vous, quand Jésus était examiné et éprouvé, et le soin sacrateur, qui dis-tu que tu es? Il n'a pas répondu. Alors il dit, dis-tu que tu es le Fils du Très-Haut? Jésus a dit, tu l'as dit. Alors le Seigneur a dit, vous avez entendu, il a blasphémé. Et parce qu'il a blasphémé, il doit être crucifié. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous allez témoigner de moi. Vous allez dire que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais attendez d'abord. Pour que vous soyez vivant et que vous ne soyez pas tués parce que vous dites que je suis le Christ. Et les pharisiens diront que vous blasphémez et vous ne pourrez pas faire ce que je veux que vous fassiez. Revenons au verset 17. Jésus reprenant la parole, le dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce témoignage convaincant qu'il a donné, cette révélation convaincante qu'il a donnée
était une vérité spirituelle qui lui était révélée par le Dieu Tout-Puissant lui-même. Voyons, psaume 2, verset 7. Psaume 2, lisons à partir du verset. Psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a établi. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Aucun problème. Les Juifs savaient que quelqu'un viendra et qui sera appelé le fils de Dieu. Mais le problème dit que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui est venu et qu'il a accompli, c'est ce qu'il ne voulait pas comprendre. Et voilà pourquoi Nathanaël a dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Et Philippe a dit, viens voir. Et lorsqu'il est venu, et il a vu, il était convaincu. Ce soir, tu es convaincu. Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Jésus de Nazareth, c'est lui qui est venu accomplir cela. Ce que nous avons lu maintenant dans Psaume 2. Cette compréhension a été donnée par le Dieu Tout-Puissant. Cette compréhension, c'était une révélation du Seigneur lui-même. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens, dites-moi, n'argumentez pas, dites-le seulement, venez voir. » Ne commencez pas à leur dire, « Oh, ton église est mauvaise, ton assemblée locale est mauvaise, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, n'argumente pas. » Dis-le seulement, qu'est-ce que vous devez leur dire? Dites-moi, qu'est-ce que tu vas dire? Dis-moi ce que tu vas dire, comme tu veux dire à ton voisin. Viens et vois. Et quand ils viendront, ils vont voir. Ils verront les miracles. Ils verront la transformation. Ils verront la puissance de Dieu qui les touche au nom de Jésus. Verset 47. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi. Et lui dit, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi, dites-moi. Il dit, docteur, maître, rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Vous voyez, cette révélation, ils avaient la révélation. Et je prie que toi aussi, tu aies la révélation aussi. Mais vous savez, Dieu lui a révélé ça. Si Dieu ne révèle pas, les gens ne connaîtront pas. Ils vont argumenter. Nous croyons que Jésus était un grand prophète. Hein? Nous croyons que Jésus était un grand enseignant. Hein? Nous croyons que Dieu était Jésus. Et était une personne parfaite. Il a mené une bonne vie, une vie parfaite, une vie juste. Mais dire que Jésus est le Fils de Dieu, non, ça là, on n'accepte pas. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » C'est la révélation qui vient de Dieu. Quand nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, et que Jésus est le seul Sauveur, et que Jésus est le seul Rédempteur, le Père au ciel, qu'il l'a révélé aux hommes. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 27.
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est pas la révélation. Et je prie que cette révélation vienne dans ton cœur. Tu ne rateras pas la révélation. La touche du Seigneur viendra et dans les yeux de ton cœur. Et les yeux de ton cœur seront ouverts au nom de Jésus. Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9. Lisons le verset 17. Un homme qui était un grand persécuteur, un grand argumentateur, un grand disputeur, quelqu'un qui a saisi l'habit de ceux-là qui voulaient lapider Étienne jusqu'à la mort, sur la base qu'Étienne a parlé de Jésus comme le Fils de Dieu et comme étant le seul sauveur. Voyez ceci, quelque chose est arrivé, une touche est venue et ses yeux aveugles ont été ouverts. La touche de Dieu viendra sur ta vie. Et toute faiblesse sera ôtée. Et tout aveuglement sera ôté. Et les ténèbres d'ignorance et les ténèbres d'incrédulité seront ôtées de ta vie au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, pensez à cela. » Mon frère, Ananias lui-même, ses yeux ont été ouverts. Parce que quand Dieu a dit, va vers lui, il est dans telle rue, et dans telle rue, il dit, quoi, cet homme? Il est dangereux, hein? Cet homme. C'est un meurtrier, cet homme. C'est un persécuteur. Et il est venu ici même, il a même des lettres d'autorité. Et il va lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et Dieu dit, non. Il est né de nouveau. Non. Il est maintenant régénéré. Et ses yeux ont été ouverts. Ananias, les yeux d'Ananias ont été aussi ouverts. Il a appelé frère Saul. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres. Dites-moi. Pour que tu recouvres quoi? La vue. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue. Et tu recouvres ta vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus, que quoi? Dites-le non. Dites-le comme il a dit que Jésus est le Fils de Dieu. L'homme qui argumentait avant, l'homme qui a dit, je ne vais jamais croire cela, il est venu à Damas pour arrêter et pour emprisonner ceux-là qui croyaient que Jésus est le Fils de Dieu. Ses yeux ont été maintenant ouverts. Ce que tu ne connaissais pas avant de venir à l'étude biblique ce soir, tu le connais. Tes yeux sont ouverts. Et l'ignorance du passé, toute cette ignorance est enlevée au nom de Jésus. Et comme tu crois dans ton cœur, dans le cœur de ton cœur, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ton sauveur, il est le rédempteur suffisant ce soir. Si tu n'étais pas sauvé avant ce soir, tu es sauvé au nom de Jésus. Et si tu étais sauvé avant ce soir, une seconde touche vient sur ta vie au nom de Jésus. 1 Jean au chapitre 4, verset 15. 1 Jean, chapitre 4, verset 15. On dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Quand tu lui permets d'ouvrir tes yeux, tu dis oui, je crois, c'est mon sauveur.
Il est suffisant pour moi, en tant que sauveur. Oui, je crois. Il est le Fils de Dieu. Et il est mort pour moi. Oui, il est le Fils de Dieu. Et je donne toute mon attention, toute mon affection, ma confiance, toute ma foi en lui. Cette œuvre sera faite dans ton cœur. 1 Jean chapitre 5 verset 20. 1 Jean 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a et je sais que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Revenons à Marc, chapitre 8. Troisième point maintenant. Marc, chapitre 8, verset 31. Marc, chapitre 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disa ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Dites-moi, arrière de moi, Satan. » Qu'est-ce qui est arrivé ici? Pierre a prêté son esprit à Satan. Et Satan était en désaccord avec Christ. Et Pierre, qui avait confessé que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il est allé du côté de Satan pour décourager Christ, pour contredire Christ, et pour argumenter avec Christ, et pour s'opposer à Christ, et pour dire non, tu n'iras pas à la croix, tu ne mourras pas pour l'humanité, tu ne seras pas le sauveur du monde, mais tu seras notre pourvoyeur, tu seras notre guérisseur, tu seras notre pourvoyeur, tu seras notre ami, tu seras notre enseignant. Nous 12, nous les disciples, nous avons besoin de toi. Tu ne peux pas aller à la croix, tu ne peux pas mourir. Et tu ne peux pas sauver des milliers en Israël, des millions hors d'Israël. Reste ici avec nous. Maintenant, vous voyez, ses yeux était touché. Il a vu Christ de façon limitée. Il avait besoin d'une seconde touche afin qu'il puisse comprendre que Christ doit mourir pour les péchés de tout le monde, afin que plusieurs, partout dans le monde, en ce temps et jusqu'à ce moment, jusqu'au retour de Christ, pour qu'ils viennent au Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui a dit, « Arrière de moi, Satan !» Car tu ne conçois pas, tu ne connais pas, tu ne chéris pas, tu n'as pas d'affection pour les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Il était sauvé, mais n'était pas en accord total avec Christ. Et deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Alors, puisqu'il n'était pas totalement en accord avec Christ, Christ a vu ce qu'il ne voyait pas. Christ a vu ce qu'il ne voulait pas voir. Même s'il a vu Christ faiblement, il n'a pas vu Christ à la perfection. Voyez Luc au chapitre 9. Luc chapitre 9, lisons le verset 44. Luc chapitre 9, lisons le verset 44. Verset 44, il dit, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains
des hommes. Il l'a répété encore. Verset 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Il a répété encore qu'il allait mourir. Il va mourir pour l'humanité. C'est exactement pourquoi il est venu. Daniel avait parlé de ce sacrifice. Isaïe avait parlé de ce sacrifice. Et Jésus-Christ a dit, je vais accomplir cette prophétie. Je serai crucifié, je serai tué. Je porterai les péchés de plusieurs et je conduirai plusieurs à moi. Alors il leur dit, ils n'avaient pas compris. Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas voulu comprendre. Ils étaient en désaccord. Leurs yeux avaient besoin d'être ouverts de nouveau. Une seconde touche spirituellement. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu lis dans la parole de Dieu sur Christ? Est-ce qu'il y a des choses que tu lis dans la parole de Dieu sur ce que Christ a dit, sur ce qu'il a promis faire? Et ta pensée n'est pas là. Et il dit, je suis venu encore, je reviens encore. Et il y a certains croyants qui, dont les cœurs ne sont pas touchés. Il dit qu'il revient, mais je vais finir telle affaire. Je sais qu'il revient, je vais finir tel projet. Je sais qu'il va venir, mais je vais me marier. Je sais qu'il va venir, mais je n'ai pas encore d'enfant. Que j'ai mes enfants d'abord. Je sais qu'il va venir, mais que je finisse mes études. Je sais qu'il va venir, mais je vais faire ceci. Ils ne sont pas en accord avec Christ. Et ils vont passer par là. Je veux faire ceci, je veux avoir ceci, je veux saisir ceci. Parce qu'ils ne voient pas comme Christ voit. La seconde touche de tes yeux seront ouverts. Nos yeux seront ouverts. Et vous savez, parfois, Dieu veut faire quelque chose. Mais si l'Église ne voit pas, nous ne comprenons pas. Ah, je suis sauvé, je suis sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu veut faire quelque chose et on ne voit pas. C'est comme Abraham. Abraham était allé sacrifier Isaac. Parce qu'il avait entendu la parole de Dieu. Le Seigneur lui a dit, voici ce que tu dois faire. Il a pris son fils et il allait. Alors, comme ils allaient, Isaac a demandé, mon père, voici le bois, voici le feu, où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham a dit, Dieu pourvoira l'agneau pour le sacrifice. L'agneau. Alors, ils sont arrivés là-bas. Il a mis le bois et il a attaché Isaac. Il a pris le couteau. Alors, certaines personnes, une fois qu'ils entendent, va, ils n'entendent plus autre chose. Quand ils entendent, tue. Ils n'entendent pas, arrête. Une fois qu'ils entendent, sacrifie-le pour moi, ils n'entendent plus la seconde voix qui vient. Et qui vient, ils ne voient plus le second signe qui vient. Alors, la voix est venue. Abraham, Abraham. Il dit, oui, me voici, Seigneur. Ne porte pas la main sur l'enfant. Abraham n'a pas dit, quelque chose que j'ai entendu, c'est ce que j'ai entendu. Hein. La première voix, c'est ce que je sais. Cette seconde voix-là, je ne sais pas si c'est spirituel. Si tu es spirituel, tu dois comprendre. Il t'a touché la première fois, il veut te toucher la seconde fois. Il t'a parlé la première fois, il veut te parler encore la seconde fois. Et je prie que tu ne rates pas la seconde touche. Tu ne vas pas rater la seconde voix. Voyons, chapitre 8, chapitre 18 de Luc. Luc chapitre 18. Lisons ici le verset 31. Luc 18, verset 31. Luc 18, 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. Et on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Verset 34. Dites-moi, verset 34. Mais il ne comprit rien à cela. Vous voyez, il y a des gens qui viennent à l'étude biblique. Il y a quelque chose qu'ils veulent entendre. Et parfois, ils lisent les passages que nous étudions avant qu'on ne vienne à l'étude biblique. Et ils pensent, voici ce que ça veut dire, voici ce que ça veut dire, voici ce que ça veut dire. Maintenant, Dieu commence à expliquer et à révéler les choses.
voulant nous toucher la seconde fois, afin que nous comprenions que voici ce qu'il a à l'esprit. Verset 34. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et ils sont restés ignorants. Je ne serai pas ignorant. Le Seigneur nous donnera de meilleures compréhensions. Il donnera de plus grandes compréhensions. Il va nous toucher de nouveau. Il va ouvrir nos yeux de nouveau. Et nous verrons ce qu'il veut que nous voyons. Au nom de Jésus. Luc chapitre 24. Luc 24. Lisons le verset 25. 24, 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ils étaient lents à comprendre ce que les prophètes avaient dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua tout dans toutes les écrits. Il leur expliqua, regardez ici, tu peux penser, il est resté avec nous pendant 3 ans. Il était avec nous 3 ans et demi et nous l'avons écouté tout. Il a expliqué la parole de Dieu publiquement et en privé. Il nous a expliqué tout. Il n'y a plus rien d'autre à connaître. Il y a certaines personnes qui pensent comme ça. Ils disent, oh, je suis à la vie profonde depuis toutes ces années. Et qu'est-ce que nous lisons encore? L'évangile selon Marc, l'évangile selon Matthieu, selon Jean, ou bien c'est Actes des Apôtres que nous voulons lire. J'ai lu ça, on connaissait ça avant. Et ils ne viennent pas. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Dieu merci pour ceux qui sont là. Dieu merci pour ceux qui écoutent. Dieu connaît la passion, le désir et la faim de ton cœur. Tu ne seras pas déçu au nom de Jésus. Alors, on nous dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il expliquait. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors, dites-moi la suite. Il va ouvrir ton intelligence. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit. Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il leur a dit cela avant. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Lisons les versets 12 et 13. Jean chapitre 16. Lisons versets 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Je vous ai touché, j'ai ouvert vos yeux. Il était encore vivant, mais même avec, il y a beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13 dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. La seconde touche viendra. La seconde illumination viendra. Et la seconde ouverture des yeux viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses. Il vous annoncera quoi? Ce que vous n'avez jamais connu, il vous annoncera les choses à venir. Que dirons-nous de Pierre? Pierre n'avait pas la pensée de Christ. Il avait le salut, il était né de nouveau. Il a dit, tu es le fils du Dieu vivant, mais quelque chose manquait. Il n'avait pas la pensée de Christ. S'il avait la pensée de Christ, le message de Christ sera dans son cœur. La révélation de Christ sera dans son cœur. Et le fait que Jésus-Christ a dit, je m'en vais,
Je vais mourir. Je vais mourir pour les péchés de l'humanité et je vais ressusciter encore. Il allait dire oui, nous savons. Et nous sommes d'accord avec toi. Nous avons la même pensée que toi. Mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore la totalité de la révélation de la pensée de Christ. Et quand il nous touche une fois encore ce soir, il va nous impartir la pensée de Christ au nom de Jésus. Voyons Philippiens au chapitre 2, verset 3. Philippiens au chapitre 2, verset 3. Ayez, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'est-ce que Pierre regardait? Il considérait, il calme la tempête, il guérit les malades, et il a guéri ma belle-mère. Quand ils étaient dans la maison de Simon Pierre, maintenant il dit, il va tuer. S'il est tué, et il s'en va. Qu'est-ce qui va arriver à ma belle-mère? Qu'est-ce qui va arriver à ma femme? Qu'est-ce qui va arriver à nos gens? Si quelqu'un est malade maintenant, si cela arrive, il ne veut pas que nous pensions à nous-mêmes. Christ pensait au salut de tout le monde entier, au salut de l'humanité. Il y a des gens qui ne pensent qu'à leur petit cercle local, à leur église locale, à leur compréhension locale, à leurs besoins locaux, et ne pensent pas au plus grand nombre, aux besoins de toute l'humanité. Alors il dit, qu'il vous touche encore et qu'il vous donne la pensée de Christ, afin que vous regardez au-delà de votre petit cercle. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand il nous touche encore la seconde fois, cette pensée sera en nous. La pensée de Christ, la volonté de Christ et l'objectif de Christ. Voyons Hébreux, chapitre 10, Hébreux 10. Lisons le verset 14, Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Après être sauvés, nous avons besoin d'une seconde touche, la sanctification. Et c'est à ce niveau de la sanctification qu'il nous donne sa pensée. Verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit et dans leur esprit. Cela n'a pas encore été fait pour Pierre. Ce point, il ne comprenait pas. Et quand Jésus-Christ a dit, je vais mourir, je vais donner ma vie comme rançon pour l'humanité tout entière, le troisième jour, je ressusciterai. Ce n'était pas dans son cœur. Ce qui était dans son cœur, ah, nous sommes bons, c'est bon tel que tu es, reste avec nous. Tu es fils de Dieu. Et tu es le sauveur, tu es le pourvoyeur pour tout ce dont nous avons besoin. Ne dis pas que tu vas mourir, ne dis pas que tu seras enseveli, ne dis pas que tu vas ressusciter le troisième jour. Ça ne va pas arriver. La parole n'était pas écrite dans son cœur. La volonté n'était pas écrite dans son cœur. Il y a des gens qui disent, oh, ils sont sauvés, Dieu merci, ils sont sauvés, Dieu merci, ils sont nés de nouveau. Mais la parole de Dieu, la pensée de Dieu ne sont pas achevées dans leur cœur. Mais une seconde touche viendra. J'ai dit une seconde touche viendra. 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Lisons le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Et nous lisons le verset, quelque chose d'intéressant, quelque chose d'important. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. L'apôtre Paul dit, Thessaloniciens, je remercie Dieu pour vous. Vous avez reçu la première touche. Je remercie Dieu pour vous. Vous êtes nés de nouveau. Je remercie Dieu pour vous.
une nouvelle vie est venue à vous. Mais vous savez, Thessaloniciens, je veux venir à vous. Pourquoi est-ce que tu viens? Pour compléter, pour achever ce qui manque, compléter ce qui manque à votre foi. Ça veut dire quoi? Chapitre 1, verset 3. Chapitre 1 de 1 Thessaloniciens, verset 3. Il dit, chapitre 1, verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Ils avaient la foi déjà. Ils étaient nés de nouveau. La foi qui sauve était en eux. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Notre Sauveur. Chapitre 3 maintenant, il dit, je viens vers vous afin de compléter, de parfaire ce qui manque à votre foi. Voyez ce qui suit. Après cela, à venir à eux. En 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Voyons le verset 3. Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que votre foi, dites-moi la suite, fait de grands progrès. Dans le chapitre 3, il a dit, je viens pour compléter ce qui manque à votre foi. Vous avez besoin d'une seconde touche. Vous avez besoin d'une seconde ouverture de vos yeux. Vous avez besoin d'une seconde transformation dans votre esprit. Dans le chapitre 1, il reconnaît qu'ils avaient la foi. Il reconnaît qu'il a même démontré l'œuvre de leur foi. Maintenant, comme il est venu au 2 Thessaloniciens, il dit, ce que j'avais dit faire pour compléter votre foi, la seconde touche est venue et votre foi fait de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous, de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Le Seigneur le fera. Vous aurez une seconde touche. Vous aurez une seconde profit. Vous aurez une seconde bénédiction. Quel que soit ce que vous avez avant, il y aura une reproduction. Il y aura une multiplication. Il y aura une illumination. C'est tout l'amen que vous donnez ça. Deuxième Corinthiens maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 1. Chapitre 1, verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 15. Je vous attends. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 15. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous. Afin que vous eussiez, dites-moi, afin que vous eussiez, dites-le à haute voix, afin que vous eussiez, dites-le à haute voix, une double grâce. Ils avaient la première grâce. Ils avaient la première touche. Maintenant, il dit, ce n'est pas tout. Vous avez besoin de quelque chose de plus. Ce soir, j'ai besoin de quelque chose de plus. Tes yeux ont besoin de quelque chose de plus. Ton esprit a besoin de quelque chose de plus. Ton cœur a besoin de quelque chose de plus. Tes expériences chrétiennes ont besoin de quelque chose de plus. Et Dieu va te toucher encore. Et dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Quelqu'un attend une seconde touche. Quelqu'un attend une seconde transformation. Quelqu'un attend une seconde grâce. Tu ne dois pas repartir jusqu'à ce que quelque chose arrive encore dans ton cœur, dans ta vie, dans ta pensée, dans tes expériences ce soir, au nom de Jésus. Levons-nous maintenant. Double grâce, seconde grâce, seconde touche, seconde transformation, seconde accomplissement. Second accomplissement. Ne permets pas le public de survoler ta tête, ton esprit, ton cœur, de survoler ta tête ou de survoler tes épaules. Prie. Ouvre ton cœur, Dieu Seigneur. Seconde grâce, seconde touche, seconde transformation. Voici ce que le Seigneur nous a enseigné aujourd'hui. La nécessité de la seconde touche. Que cela arrive.